Merci. Merci beaucoup, Monsieur Erali, pour cette conférence, une fois de plus tonique, enthousiasmante, qui nous donne des perspectives intéressantes et qui a suscité un certain nombre de questions que je vais vous relayer. Questions qui varient entre des questions en caractère assez général sur votre exposé et puis des questions aussi parfois sur les difficultés, des questions plus pratiques sur la mise en œuvre. Je vais donc un peu alterner des questions plus pratiques et des questions plus générales. Une première, comment le dispositif évoqué peut-il prendre en considération les réalités de terrain difficiles? Je traduirai cette question un peu, comment construire un nous quand la réalité scolaire est particulièrement distendue ou tendue? Oui, donc c'est une question fondamentale. Il y a des établissements qui sont dans des situations difficiles. Alors ces situations difficiles trouvent plusieurs sources, tantôt des sources dans l'environnement même de l'école, et dans l'évolution de la population scolaire et du contexte urbain dans lequel, ou rural d'ailleurs, dans lequel évolue l'école. Tantôt ce sont des problèmes de relations et des problèmes d'équipe pédagogique qui sont également difficiles. Je ne prétends pas que le pacte lui-même, enfin dans le plan de pilotage, va comme ça, je l'ai dit, il n'y a pas de magie, trouver des solutions à ça, mais ça, il est conçu de telle façon qu'il s'ouvre et reconnaisse la diversité des situations et la nature même des difficultés affrontées par l'école. Ça, c'est un premier point. Il ne part pas d'une sorte de fantasme d'une école standard qui serait la même un peu partout, avec des principes standards, des règles standards et des manières et des solutions standards. Là, le premier point de réponse, c'est qu'il faut d'abord commencer par reconnaître la spécificité des contextes et les difficultés qui sont confrontées. Et donc, le premier point, le premier mot ici qui est important, c'est reconnaissance. La deuxième dimension, c'est qu'il n'y aura traitement de la difficulté que si d'abord elle est déjà mise en parole, et mise en parole collectivement. Et ça, c'est déjà le point. Et je pense que dans la salle, je crois pas qu'il y aura une personne qui pourrait contester ce fait qu'une difficulté qui n'est pas reconnue par un être humain ou par un ensemble d'êtres humains ne peut pas être dépassée. Il n'y a de dépassement d'une difficulté que de reconnaissance préalable de cette difficulté dans un contexte constructif, c'est-à-dire dans un concept de non-jugement. Voilà. Où en êtes-vous? Quelles sont vos difficultés? On peut démarrer. Alors, ensuite... Alors après, évidemment, le pacte, et je pense que d'autres pourraient en parler mieux que moi, prévoit un certain nombre de dispositifs. Le premier, on discute avec le DCO et la direction, le PO, les enseignants eux-mêmes disent « chez nous, ça ne va pas pour telle et telle raison ». Alors ça, c'est une première chose. Avec le DCO, on essaye de voir qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce que d'autres écoles confrontées au même genre de problème ont mis en place. Il y a une dimension de fertilisation croisée, si on veut, parce que le DCO, avec ses collègues, lui, il voit l'ensemble des efforts des autres établissements. On cherche donc à injecter de la connaissance d'autres expériences au sein de l'école. Ensuite, ce qui est envisagé aussi, lorsqu'une école commence à rencontrer des difficultés, c'est de réduire le scope. C'est d'ailleurs au lieu de 3 ans et 6 ans, ça pourrait être tous les ans. Pour des écoles en grande difficulté, vous avez aussi une possibilité d'audit, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Voilà. Et puis ensuite, bon, OK, peut-être que dans certains cas, il faudra trouver des solutions adaptées en termes de moyens, en termes de soutien, en termes de coaching, de changement de direction. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Faut tout voir. Hein, donc, voilà. Après, il faut voir d'où vient la difficulté. Voilà. Mais rien n'est possible si ce n'est pas d'abord reconnu, analysé, et pas simplement par quelqu'un là au-dessus, mais collectivement. Voilà, collectivement. Voilà, une deuxième question que je vous livre in extenso. Valeurs affichées et valeurs vécues ne coïncident pas souvent. Pouvez-vous nous parler de l'instrumentalisation de l'éthique pour se donner bonne conscience? On crée des chartes de valeurs abstraites sans réflexion sur comment les vivre. Super question. Je partage totalement l'inquiétude
de celui qui l'a, ou de celle qui l'a exprimé. Les valeurs ne peuvent pas être instrumentalisées. Ou bien elles sont vécues, ou elles n'existent pas. Et si elles sont simplement instrumentalisées, en d'autres termes, si on les utilise comme des incantations dans le discours pour simplement faire pression sur l'autre, pour exercer une forme de pouvoir ou de domination, alors tout est perdu et ça génère une forme de cynisme. Et je voudrais vous donner un petit exemple emprunté à l'entreprise privée, juste pour me faire bien comprendre. Un jour, j'assiste à une conférence sur la responsabilité sociale de l'entreprise et on a des directeurs des ressources humaines qui viennent expliquer leur politique de responsabilité sociale. Excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais en même temps, vous allez tout de suite piger ce dont il est question. Et puis, il y a un type, il vient, super, magnifiquement habillé, complet bleu, trois pièces, impeccable, et qui vient expliquer l'ensemble des politiques de responsabilité sociale de son entreprise. Non-discrimination, égalité des genres, diversité, respect des préférences sexuelles de chacun, prévention du harcèlement moral, prévention du harcèlement sexuel, super. Et aux trois quarts de son exposé, il a eu une phrase catastrophique. Mais catastrophique. Il a dit, sans même s'en rendre compte, c'est presque émouvant. Il a dit, bien, alors maintenant je voudrais passer à la deuxième partie de mon exposé. Est-ce que ces valeurs sont rentables? Parce que, évidemment, si elles ne l'étaient pas, tout mon exposé n'aurait aucun sens. Waouh! Alors il a terminé, il était tout content. Et puis une personne a levé sa main et a dit, j'aurais bien voulu que ce soit moi, mais voilà, c'est une autre, j'aurais été plus fier si c'est moi qui l'avais posé, mais voilà, c'est quelqu'un d'autre, qui a eu plus de courage peut-être, et qui a dit, merci pour votre exposé, monsieur, c'est vraiment très intéressant. Vous voulez dire que si la discrimination, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel n'étaient pas rentables, vous toléreriez dans votre entreprise la discrimination, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel? Et le type s'est décomposé, il est devenu tout pâle, il a bafouillé des trucs, il n'a rien pu dire, et puis il est parti, mais complètement déboussolé. Voilà, tel est le cynisme de notre époque. Les valeurs ne sont pas des instruments pour faire pression sur les autres, elles sont l'horizon nécessaire de nos vies. Voilà, elles sont l'horizon nécessaire de nos vies. Et gare à celui qui cherche à les instrumentaliser pour manipuler les autres ou pour faire simplement pression. Elles sont, et nous devons les vivre au quotidien. Voilà. Mais donc au quotidien, il faut qu'une autorité, un moment élève sa voix et dise « Je n'accepte pas que tu dises ça et que tu manques de respect à ton collègue dans la réunion ». Je n'accepte pas que tu traites le parent comme ça. Je n'accepte pas que tu te soustrais à ton devoir ou à ta responsabilité, parce que moi, autorité, je suis le garant de ces valeurs et il m'appartient à les faire vivre. Donc vous voyez, voilà. Mais c'est une question terrible, hein, vraiment très difficile. Alors une autre sur le chemin que chacun a à accomplir par rapport à ce pacte. L'autonomie et la responsabilisation des écoles dans le pacte, n'est-ce pas plus d'autonomie pour les directions du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et beaucoup moins pour celles du réseau subventionné? Ben écoutez, ça je crois que peut-être d'autres sont vraiment mieux placés que moi. Il faudrait faire une étude approfondie pour le faire à titre personnel, parce que moi, après je ne suis plus au gouvernement et je ne participe pas à la mise en œuvre du pacte en tant que tel. Moi, ma mission s'est un peu achevée, si on veut, lorsque on est tombé d'accord sur le volet gouvernance des écoles. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait la moindre idée d'une géométrie variable. C'était pour toutes les institutions les mêmes règles ou rien. C'est tellement vrai que les délégués au contrat d'objectifs, qui ont donc pour charge le rappel, c'est tout un petit jargon là, de contractualiser avec les écoles, ces délégués au contrat d'objectifs seront tous formés de la même façon, ils auront tous les mêmes vademécum d'intervention, et ils interviendront aussi bien pour des écoles d'un réseau que pour des écoles d'un autre réseau. En d'autres termes, leur
leur type d'intervention sera régi par les mêmes règles. Donc il me semble qu'on a minimisé cette possibilité, mais peut-être y a-t-il quelque chose qui m'échappe, et il faut être très prudent, hein, je veux dire, voilà. Mais je pense que d'autres peuvent peut-être y répondre de façon plus technique que moi à ce stade. Alors, qu'une question qui manifeste un ressenti. Comment se fonder sur des valeurs démocratiques quand on a le sentiment d'être dans un contexte où le politique ne les respecte plus ? Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une... Je n'ai fait que lire la question. C'est une phrase qui m'est souvent opposée. Je suis assez carré là-dessus. Je pense que nous devons montrer l'exemple. Et que nous ne pouvons pas utiliser, qui serait indigne en réalité de notre part, d'utiliser l'exemple, les mauvais exemples qui parfois s'étalent dans la presse, mais qui touchent, il faut quand même le reconnaître, une minorité de dirigeants politiques ou de responsables politiques. Nous ne pouvons pas nous prévaloir ou utiliser de tels mauvais exemples pour nous soustraire nous-mêmes à nos devoirs. En réalité, la démocratie n'est pas simplement affaire de partis, d'élections, de parlementaires et de gouvernements. L'enfant qui arrive en maternelle et puis après en première primaire, littéralement, c'est sa première découverte de ce qu'est un État, une institution publique. Et c'est à travers nous, puis aussi à l'université, qu'il devient citoyen. Bien avant de commencer à voter, bien avant de lire le journal, bien avant de comprendre tout ce qui se passe. Et c'est à travers nous qu'il fait son apprentissage et qu'il commence à découvrir ce que peut être une démocratie. Et cette démocratie, il en fait l'apprentissage non pas du tout par l'élection, non pas du tout par l'administration publique, mais il l'a fait à travers des valeurs. Et s'il découvre que lorsqu'il quitte sa famille pour entrer dans l'école, il plonge dans un monde construit autour de valeurs fondamentales telles que celles que j'ai évoquées, et puis d'autres aussi, comme l'égal respect par exemple, je ne l'ai pas évoqué là, mais c'est encore une valeur démocratique absolument fondamentale, eh bien, c'est pour toute sa vie qu'on va construire, je dirais, quelque chose qui peut s'appeler la citoyenneté. Et par conséquent, je dirais, lors même qu'il y aurait encore deux fois plus de scandales, rien ne pourrait nous excuser de ne pas chercher à nos niveaux, là où nous avons des marges de manœuvre, de ne pas nous hisser nous-mêmes au niveau de nos propres idéaux démocratiques. Voilà, moi je dirais ça comme ça. Alors, une question à la fois pratique et qui dépasse au fond largement le domaine de l'école. La nomination n'est-elle pas un frein à ce nouveau système ? La nomination, donc le caractère définitif de l'engagement des personnes. Bon, c'est un avis personnel. Elle peut l'être. Voilà, c'est un avis personnel. Elle peut l'être dans une certaine mesure. Voilà, on l'a évoqué dans le groupe lui-même. Je vous dirais, il doit arriver quelque chose à celui qui s'assied sur ses valeurs. Il doit arriver quelque chose. On ne peut pas impunément dire « je me fiche du projet de l'établissement, je me fiche des objectifs de l'établissement, je me fiche des stratégies et je me fiche de ses valeurs, de responsabilité, etc. Et je voudrais... » Voilà, il doit arriver quelque chose. Il faut... Alors, je ne dis pas nécessairement un licenciement, etc., mais... Il faut que quelqu'un dise « Attendez, ça, ce n'est pas possible. Vous êtes payé, vous participez à un collectif, et donc vous êtes bien obligé de vous inscrire là-dedans. » Alors après, on peut réfléchir.
Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi? On ne va pas commencer à vous montrer du doigt. Peut-être que les expériences que vous avez vécues au fil du temps ont créé chez vous une forme de détresse ou de désespoir, de désespérance, le sentiment de ne pas être respecté, etc. Réfléchissons ensemble et reconstruisons peut-être un discours. Comment? Et revoyons comment c'est possible, comment il serait possible de dépasser ça. Donc commençons par là, bien sûr. Mais réaction, il doit y avoir à chaque niveau. Donc moi, il me semble que si on dit responsabilité, on dit répondre d'eux, comme je l'ai dit, et donc il doit y avoir une réaction à des déficiences, à des dysfonctions, des manquements avérés et à répétition. Ça doit être dit et réfléchi. Voilà, et ça, c'est un peu austère, mais je ne vois pas comment on peut avoir à la fois le collectif et l'indépendance totale individuelle. Voilà. Alors ça, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. On ne peut pas se gargariser du collectif et après se jouer un jeu totalement personnel en disant « moi, je me fiche des autres, je fais mon boulot et je m'en plains ». Dans la vie, il faut savoir. Voilà. Et il faut. Et nous, si nous sommes attachés au collectif, alors notre propre fonctionnement doit être respectueux du collectif. On ne peut pas vouloir une chose et son inverse. Donc voilà, je dirais ça comme ça. Encore deux questions pour terminer. Vérité des résultats, pourquoi pas une publication, une publicité des résultats? Y a-t-il une crainte de la concurrence? Oui, tout à fait. C'est une question très difficile. Je ne suis pas sûr que le débat ait été mené jusqu'au bout. Mais peut-être ce débat a-t-il été mené en mon absence, ailleurs, et voilà, le système scolaire est très grand, et moi j'ai juste apporté ma modeste contribution, et je vous parle à partir de ce que je sais. Je ne suis pas sûr que le débat ait été mené jusqu'à terme, mais une chose est certaine, nous avons tous ensemble choisi d'être très prudents par rapport à la publicité des résultats, pour une série de raisons dont certaines, je pense, sont bonnes. La première, c'est la peur profonde de chacun d'alimenter une logique de marché que nous ne voulions surtout pas. Voilà, d'alimenter cette logique de marché qui existe déjà, et en tout cas pas sans un recul d'expérience. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y aura ces plans de pilotage, ensuite il y aura l'évaluation. Une école n'est pas une autre. Une école peut atteindre un certain résultat, une autre peut avoir des difficultés à l'atteindre, alors que les efforts sont peut-être plus grands dans celle-là. Mais elle est confrontée à des problèmes que ne rencontre pas la première école. Il faut l'admettre, et nous avions quand même un peu la crainte que le public, et les médias en particulier, plongent là-dessus. Sans bien réfléchir à ce que signifient ces chiffres, à ce que signifient ces efforts, à ce que signifient ces objectifs, plonge là-dessus, commence à faire des classements en plus, et produisent des effets pervers simplement monstrueux. Vous savez, moi, à l'UNIF, c'est pour ça que moi j'étais sensible à cet argument, parce qu'à l'UNIF, vous connaissez les rankings peut-être, c'est un scandale les rankings, hein. C'est un véritable scandale, hein, les rankings. Mais tout le monde plonge là-dessus. Et ça se trouve dans les journaux. Et vous voyez, l'ULB à la 152e place. Lucie est avant, il faut bien le reconnaître. Et on voit ça. Et le grand public, et les journalistes encore moins, ne se posent absolument pas la question de ce qu'il y a derrière. Ils sont quantièmes, voilà autant. Mais quantièmes sur quoi? Sur quels critères? On compare des institutions dont les droits d'inscription sont à 30 000 euros avec des institutions dont les droits d'inscription sont à 800 euros. C'est juste un scandale. Mais une fois qu'ils existent, ça devient des structures mentales et vous ne pouvez plus y bouger. Et puis ça génère des effets pervers. Donc, moi, je pense que nous avons eu raison, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Nous avons eu raison, en tout cas pour le moment, d'être extrêmement prudent sur quelque chose qui s'apparenterait à une publicité. En revanche, n'oubliez pas que dans le dispositif, les DCO, eux, ont accès à ces résultats, peuvent les comparer et peuvent voir les établissements qui fonctionnent mieux que d'autres et donc essayer de remédier à cela, mais dans le respect de la vie de chaque établissement.
Voilà, alors une dernière question qui en rassemble un certain nombre. Les valeurs sont-elles les mêmes dans tous les réseaux? Y aura-t-il de la place pour les valeurs spécifiques, les priorités, des priorités différentes, par exemple, dans le projet spécifique de l'enseignement catholique? Oui, la réponse est oui, ça absolument, absolument. Et je vais même vous dire très concrètement que, pour rappel, dans le groupe de travail que, encore une fois, j'ai eu l'honneur de présider, il y avait les responsables, les dirigeants des principaux réseaux, lesquels avaient une conscience aiguë des valeurs propres au réseau qu'ils ont la charge de superviser, d'animer, de diriger. Et par conséquent, ils veillaient au grain à cela, quand moi-même, je l'aurais peut-être oublié, en tout cas, ça, ils n'auraient pas fait faute de me le rappeler et de nous le rappeler à tous. Mais encore une fois, au-delà même des valeurs de chaque réseau, qui existent bel et bien, il y a même des valeurs et des spécificités propres à chaque établissement. Il nous fallait un dispositif de responsabilisation, mais qui soit respectueux de l'infinie diversité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et par conséquent, je puis dire là vraiment avec confiance que des valeurs qui sont propres à un réseau ne manqueront pas d'être respectées. Et j'ajoute encore que chaque école a le droit d'ajouter des objectifs, d'ajouter des stratégies au service d'un projet qui lui est propre. Mais la question est, et c'est en fait toute la logique du système, c'est que ça ne suffit pas de le mettre sur le site. C'est trop facile de faire un beau petit laïus chez nous, la citoyenneté, culture, machin, truc. Ensuite, 3 ans plus tard, 6 ans plus tard, cette école sera amenée à dire « Ok, voilà, vous avez ce projet-là, vous avez ces objectifs-là, qui sont les vôtres ? Qu'avez-vous fait concrètement ?» pour les mettre en œuvre. Ça, c'est la logique de reddition des comptes, c'est la logique de responsabilité. Ça ne peut pas être juste des mots, ça doit être des actes. Donc, c'est un peu la philosophie du projet. Merci beaucoup pour ces réponses empreintes d'un langage de vérité. Je propose de vous applaudir encore pour votre intervention. Merci.